good afternoon, my everyone. my name is uh, placid Welo. i will present in french, and i ask you if you can take your headphones for translation, but the presentation is uh, in english, and uh, we'll, do it. we'll do that in, uh, in, in french. Je tiens d'abord à remercier vraiment le secrétariat du TFCC et puis toute l'équipe de groupe Surveillance pour cet accompagnement et ce choix de la RDC comme pays pilote par rapport à ce cadre révisé pour l'identification de points chauds de choléra au niveau, au niveau global. Et donc euh, ma présentation, comme euh, vous venez de suivre avec euh, Elisabeth, c'est pour euh, présenter les les résultats donc euh, du pilote que nous avons fait euh, ensemble avec euh, l'équipe des sous-groupes identification des hotspots. Et donc dans la présentation, nous allons rapidement nous, nous atteler sur euh, la méthodologie euh, de cette identification. Je crois que Elisabeth a donné euh, rapidement comment on a procédé pour arriver à identifier euh, ces, ces différents hotspots. On est parti des deux indicateurs, comme vous allez le voir, à quatre indicateurs comme Elisabeth a présenté. Et puis nous allons vous présenter les, les premiers résultats de cette identification, les prochaines étapes, et puis ce qu'il faut considérer dans la révision de ces nouveaux cadres. D'identification des hotspots. Par rapport à, au contexte de la RDC, vous connaissez que c'est parmi les, les, les pays les plus vastes, donc les deuxième pays pratiquement du point de vue de sa superficie. Et nous sommes parmi les pays qui, qui ont une haute transmission et un nombre élevé aussi de cas de choléra, ce qui a fait que. Uh, l'intérêt qui a été porté sur la RDC par rapport à cette, uh, cette transmission uh, très élevée et aussi uh, du fait qu'on a pratiquement une, une longue expérience par rapport à l'élaboration du de, de, de NCP, donc les plans multisectoriels au niveau du pays. Et pour cela, uh, il était nécessaire que nous puissions voir ensemble avec JTFCC comment... Continuer dans, la, dans le cadre de l'élaboration de ces nouveaux plans plan multi-sectoriels, comment essayer d'identifier et revisiter les, les, les différents hotspots qui étaient connus. Et donc, euh, comme indicateur, vous avez suivi avec Elisabeth, il y avait deux indicateurs avant. On a ajouté la, la mortalité et puis la confirmation pour les laboratoires. Alors, par rapport à la méthodologie, euh, les données ont été analysées pour la période de 2017 à 2021, parce que notre NCP, les derniers NCP étaient de 2018 à 2022, et donc en 2023, 2023, nous devons avoir un nouveau plan multisectoriel. Et pour cela, il était nécessaire de pouvoir revisiter. Le, le, les les, les, les hotspots et voir est-ce que nous sommes dans les mêmes zones de santé ou est-ce que la situation a évolué après la mise en œuvre de, de, de ces plans, euh, du, quatrième, du troisième plan multisectoriel, parce que c'est depuis 2008 qu'on élabore euh, chaque cinq ans un plan multisectoriel. Et par rapport à ça, nous, nous avons identifié les, les, les niveaux d'identification c'était les, les zones de santé, donc euh, districts pour euh, la, 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 les, les, les pays de l'Ouest, mais euh, au niveau de la RDC, on appelle ça euh, zone de santé. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a identifié, euh, qu'on a pris en compte les données des de cinq dernières années. Alors, par rapport aux indicateurs, comme vous avez suivi, à l'incidence, l'incidence a été considérée ici comme euh, l'incidence pour 100 euh, 000 habitants, donc personnes années. Et par rapport à la mortalité aussi, on a utilisé les cas suspects par rapport à 100 000 personnes années. Et euh, par rapport à la persistance, c'était au moins le pourcentage des, des, des cas, par, pour au moins un cas durant la semaine pendant la période d'étude. Alors, par rapport aux laboratoires, les données des laboratoires, comme euh, la couverture est encore faible, et puis. Euh, le fait qu'il y a beaucoup de zones qui n'ont pas pu bénéficier de, 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 de la possibilité de faire confirmer les cas, il était pour, pour nous euh, donc important de ne pas euh, jusque-là considérer ces critères, parce que sinon ça éliminerait beaucoup de zones alors que ce n'était pas de leur faute pour ne pas avoir des cas de confirmation. Donc jusque-là, par rapport à la confirmation des cas, ça va nous aider plus dans les analyses, en termes de où est-ce que la, la circulation continue, mais au fait, on ne l'a pas pris en compte dans les scores, dans les, dans les, dans les scores index qui vont être présentés, parce que il, la, la représentativité et la couverture et les taux de prélèvement qui est encore au, euh, autour de 23% jusqu'en en fin 2021. Et il faut dire que c'est depuis euh, 2020. 2019-2020, qu'on a vraiment pris l'option de passer euh, par les prélèvements de manière systématique. Mais avant, c'était qu'on prélève juste au moment de la flambée 20 cas, 20 cas au milieu et 20 cas à la fin. C'est pourquoi à ce moment-là, les laboratoires, on n'avait pas suffisamment de, une bonne politique pour avoir suffisamment la, à, assez d'échantillons, assez de prélèvements. Mais maintenant qu'on a pris l'option, des, 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 des bouger par rapport au laboratoire, ça fait qu'en en 2020, en 2021, on a même amélioré notre taux de prélèvement. On est parti de 9 en, 2000, euh, en 2019, on est à 23 en 2021. Et nous pensons que, euh, et ça c'est par rapport à la culture, donc c'est taux de prélèvement. Et pour 2022, nous voudrions approcher les plus autour de 50%. Des taux de prélèvement, des taux de, pas prélèvement, mais taux de confirmation à travers la culture. Donc, ce qui est prélevé, qui arrive et qu'on arrive au, au niveau des laboratoires à donner les résultats. Alors, dans les scores, comme Elisabeth a dit, donc, on a utilisé les trois indicateurs, donc l'incidence, la persistance, la mortalité, et on devait donner les points de 0 à 3. 0 s'il n'y a pas de cas. Euh, un point si vous avez. Euh, un cas qui et puis jusqu'en dessous de la médiane, et puis euh, deux points si on est au-delà de la médiane, mais en dessous des 80e percentile et trois points lorsqu'on est au-delà de 80e percentile. Donc il fallait arranger les données de, de l'incidence, hein, arranger de plus grands plus petits, et on a dit éliminer toutes les zones, par exemple, qui n'avaient pas de cas. On devait d'abord les éliminer, sinon la, la, notre médiane allait être beaucoup plus influencée. Donc, il fallait enlever. Nous avons 519 zones de santé en RDC, 519 districts. Et vous allez voir combien de districts n'avaient même pas un cas pendant 5 ans. Donc, il fallait les enlever. Et vous avez la liste de ceux qui ont notifié pour maintenant calculer la, la médiane, de 80e percentile. Alors, par rapport aux au résultats de l'index, après avoir donner les scores, donc le point par rapport à chaque indicateur. Il fallait maintenant faire la somme et donc on avait les, les, la classe des zéros jusqu'à 9 par rapport au score. Et donc les résultats par rapport au pays, comme nous l'avons dit, la surveillance, nous avons eu plus de 47 607 cas de choléra. Et dans cela, 3201 décès. Donc la situation s'est nettement améliorée. Il faut dire que euh, quand vous regardez les données année par année, on a évolué en termes d'escalier. En 2017, on était à 54 000 cas. En 2018, on était autour de 30 000, et en 2021, on a fini autour de 12 000. Donc l'incidence diminue au fur et à mesure, et depuis que le programme, parce que le programme a été mis en place après. Euh, la décision d'engagement de, de la feuille de route, le pays s'est engagé, il a mis en place un programme national d'élimination du choléra en août 2018. Et depuis lors, les, les actions sont en train d'être menées et c'est ça qui nous amène à voir cette, cette nette réduction de l'incidence des, des cas. Et euh, par rapport aux zones affectées, comme l'avons dit, il y a eu 306 zones de santé qui ont notifié au moins un cas dans les cinq dernières années. Et là, vous pouvez voir la répartition spatiale de ces différents cas avec un focus vraiment à l'est, où vous avez, euh, vous avez les, 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 autour du lac Tanganyika. Donc, euh, le lac Tanganyika, il est pratiquement en, en blé vers euh, le versant, en frontière avec la Tanzanie. Et vous avez... Les clusters autour du lac Kivu. Et au nord, c'est Ituri. Ituri, c'est parmi les provinces aussi endémiques, mais de plus en plus en train de connaître une extension de l'épidémie autour du lac Albert. Et vers le bas, vous avez la, la province de Haut-Katanga avec les, lois, les lacs Moero et les, les affluents du fleuve Congo. Je crois qu'on va voir ça plus près avec une autre carte. Alors, par rapport à les, aux résultats d'index, nous avons euh, l'index de, de, de 0 à 9. Et par rapport à ça, ça nous a permis de classer les différentes zones de santé. Et nous avons 19 zones de santé qui ont eu les scores de 9 sur 9 et 27 zones de santé qui ont eu les scores index à 8. Avec euh, une population, si on prend les 9, euh, on a près de 4 millions. De, de personnes qui vivent dans, les, dans ces zones de santé. Et quand on prend le score de 8, on est à 6 millions euh, de personnes. Donc si on prend les 9 et les 10, vous avez près de 10 millions de populations qui vivent dans ces zones hotspots. Et là, euh, en termes de cas suspects, nous couvrons, avec 8 et 9, nous couvrons 56% euh, des de cas et 52% de la létalité. Mais comme nous allons le voir euh, au niveau euh, du pays, je crois qu'il y a certaines zones de santé dans les discussions, certaines zones de santé qui ont eu le score de 7, mais qui en principe, ce score a été réduit du fait de, de la mortalité. Parce que si vous donnez 3 points pour ceux qui ont une mortalité élevée et vous donnez 1 point pour ceux qui ont la mortalité faible, c'est un contraste. Oui, on veut voir en termes de prise en charge, pour considérer les zones qui ont une mortalité élevée, alors que si la qualité de la prise en charge est meilleure, on aura moins de cas de mortalité. Donc c'est parmi les, les limitations et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de, de revoir pour dire la mortalité, bien sûr, elle est là, elle permet d'identifier les zones qui ont ces problèmes de gestion de, de, de prise en charge. Mais là où la prise en charge elle est faite correctement, cela ne, ne, ne peut pas lui donner moins de points parce qu'il a, il a beaucoup de cas, mais il a moins de décès. Pas parce que euh, la qualité de prise en charge est meilleure, ça fait qu'il aura moins de décès. Et donc, ça ne doit pas être un critère qui diminue la possibilité de considérer ça comme une zone de santé hotspot. Donc, il faut... Euh, on a longuement discuté, je crois que ça va nous permettre de considérer cet élément de la prise en charge, donc la mortalité comme un élément à double aspect. Lorsqu'elle est moindre et que la qualité est là, ce c'est une zone aussi qu'il faut considérer, mais lorsque la mortalité est élevée, c'est aussi un problème, ça doit être une zone pour qui on doit attirer beaucoup d'attention. Alors, euh, là, nous, nous avons... En termes de répartition spatiale, vous pouvez voir les, les différentes zones de santé. Ça, c'est avec l'index de 8 qui nous donne à peu près 46 zones de santé. Et dans les 46 zones de santé, nous sommes autour de 10 millions d'habitants. Mais si nous prenons, nous récupérons quelques zones de santé qui ont le niveau 7, je crois qu'on peut dépasser plus de 15 millions d'habitants vivant dans les zones euh, à, dans le point chaud de, de choléra. Et donc, si vous regardez bien, donc il y a les, les versants des différents lacs. Et puis, il y a les, les longs de, de, la, de la rivière du, de, du fleuve Congo. C'est pratiquement les, les points qui sont dans les hauts Katanga. Ça, c'est les, les, les versants de la, du fleuve Congo. Et même ceux qui sont euh, vers le Congo-Brazzaville. C'est pratiquement le fleuve, autour du fleuve. Et ça descend vers. Euh, à proximité dans les bas-congo, c'est toujours pratiquement les affluents du, du fleuve congo. Et là, vous pouvez voir que ces zones sont pratiquement des zones frontalières. Donc, euh, avec l'Angola, il y a trois zones de santé qui sont identifiées. Avec le Congo-Brazzaville, il y a les quatre zones. Et avec le, le Rwanda, pratiquement vers le nord-Kivu. Et euh, il y a Burundi également, avec euh, Ouvira. Il y a la, la proximité aussi avec la, la Tanzanie, avec plusieurs zones de santé dans les dans les Tanganyika. Alors, pour, par rapport aux prochaines étapes, c'est que nous continuons, nous allons un atelier au niveau au niveau national avec tous les acteurs, parce que c'est vrai, ça c'est des analyses à travers le, les, les scores, mais là il faudrait euh, discuter avec euh, les différents acteurs pour tenir compte des, des, des contextes particuliers de certaines zones de santé qui ont été identifiées et nous allons également approfondir les analyses pour la, la, les analyses situationnelles dans le cadre du développement de notre plan multisectoriel. Alors, ce qu'il faudra retenir par rapport à ces cadres révisés, c'est que les par rapport à l'utilisation de l'index, c'est aussi simple et ça, ça permet euh, de plus facilement identifier les zones hotspots. Il faut inclure, bien sûr, les indicateurs euh, en, en rapport avec la confirmation, mais il faut être sûr qu'on a une très bonne couverture par rapport aux tests de confirmation et qu'on a cette possibilité-là d'avoir les résultats dans tous les coins du pays. Donc, c'est fait comme ça, ça permet d'être beaucoup plus euh, réaliste par rapport à cet indicateur de confirmation. Mais il y a également un gap qu'on doit dire, parce que oui, on a identifié les zones hotspots, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces zones de santé Là aussi, il faudrait que la GTFCC nous aide avec les groupes de travail pour qu'on développe les guidelines par rapport aux interventions qu'il faut mener. Et après avoir identifié les hotspots. En termes de piliers, qu'est-ce qu'on fait dans le WASH Qu'est-ce qu'on fait dans le OCV Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de, 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 de la coordination Qu'est-ce qu'on fait dans, par rapport aux différents piliers Et là, il faudrait des guidelines pour permettre une bonne analyse dans les différents hotspots. Merci pour votre attention et euh, je reste disponible si il y a des préoccupations. Thank you for your attention.